Marina Bonanno, félicitations, vous renouez avec la victoire. Quel est ton sentiment sur le match ? Sur le match, on l'a maîtrisé. On a tout fait, on a bien fait la sortie de balle dans la zone 2, dans la zone 3. On a réussi à concrétiser. On a dominé, que ce soit dans la phase défensive comme dans la phase offensive. Franchement, je suis super fière de l'équipe. Et justement, quels ont été les mots avant le match, hein, parce qu'on sait que vous avez passé une période compliquée. Période compliquée, on s'est remotivé, on devait être ensemble. On le savait qu'aujourd'hui, si on voulait gagner, il fallait travailler ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a montré sur le terrain. On était tout ensemble, il n'y avait pas d'individualité, c'était une vraie équipe. Et puis au niveau plus général, quel regard toi tu portes sur cette période compliquée que vous avez passée pendant un bon mois et demi ? C'est le football, hein. Il y a des mauvaises périodes dans toutes les équipes. Après, il faut savoir remonter la pente et je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà un bon pas. Justement, pour revenir sur le match d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses, pourquoi Carouge a gagné ce match ? Qu'est-ce que vous aviez de plus que cette équipe de Soleure ? On était ensemble, on était une équipe soudée. Comme je l'ai dit avant, pas d'individualité. Donc c'est ça la victoire, c'est toute l'équipe ensemble et trop contente. Et justement, pour terminer, il reste peu de matchs avant cette trêve hivernale. Quel est l'objectif des Talca Rouge ? L'objectif, comme toujours, la victoire. Mais après, effectivement, après cette mauvaise période, il faut continuer sur une bonne pente en fait, la remonter et tout donner à chaque match, tout le temps. Super, merci beaucoup.